Bonjour à tous, gentes-dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un oracle que je viens de recevoir. Donc c'est un unboxing, voilà, que j'ai reçu par Béline Angèle Guidance. Donc, comme j'ai déjà dit, j'aime bien les oracles de créateurs. D'auteurs que je prends directement par eux. Oh super, j'ai reçu un petit cadeau. Oh c'est sympa ça, tiens. Voilà, ben, vous voyez, j'ai reçu un petit cadeau que je ne savais pas non plus. Et ça fait plaisir. Oh, les traçons portables. Oh c'est sympa. Et voilà, l'oracle est bien emballé. Alors, c'est l'oracle Love. C'est l'oracle que je voulais qu'il arrive pour le 14 février, mais qui n'était pas là. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est normal quand c'est comme ça, il y a toujours un petit peu de retard et on ne les en veut pas. Donc, voilà, c'est l'oracle Love. L'oracle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Sinon, je marquerai. Bon, pas trop là. Oh, chère Marie-Thérèse, puisse cet oracle vous aider sur le chemin de l'amour, Béline. Avec un petit mot. Franchement, c'est franchement sympathique. Bon, l'oracle est bien emballé. Alors, on va essayer de ne pas l'esquinter. On va utiliser les dents. Alors, il n'y a pas de boîte, juste un sachet, mais bon, quoi qu'il en soit, ça ne me dérange pas parce que moi, j'ai fait mes petites pochettes maison aussi où je mets mes cartes. Donc, c'est pas gênant. Pour moi, oh, elle glisse. Oh, ça, c'est super. Elle glisse énormément. Donc, on va voir ensemble ces belles cartes. Alors, c'est vraiment un oracle dédié pour les amours. Admettons, si j'aurais cette carte sans lire le livret. D'ailleurs, le livret, je dois le télécharger en PDF. Pour moi, c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié avec celui-là ou celle-là que vous aurez. Si j'ai ça, donc là, voilà, c'est vraiment l'amour, love, le cœur, les sentiments. Voyez, les deux des cartes sont toutes les mêmes, mais il est très joli. Alors, l'amour éphémère. Éphémère, c'est juste de courte durée pour moi. Je sais pas, je regarderai. Bah ouais, ça reste pas, c'est que passage. L'attirance. Alors là, c'est voilà, c'est vraiment, c'est juste carte. C'est vraiment, vous êtes fait pour être l'un et l'autre ensemble parce que vous êtes collés comme des aimants. L'automne, la noisette, on picore un petit peu. Bref, voilà, c'est la saison. Ça peut me donner plutôt à quel moment vous allez, admettons, rencontrer cette personne. Ça pourrait être en automne. Par contre, là, on me dit qu'il faudrait traiter vos blessures que vous avez eues auparavant. Là, c'est le bonheur et la joie. La chance. Si vous avez cette carte dans un tirage, ça veut dire que vous avez toute la chance avec lui. Le changement. Alors, j'ai pas mis de micro-casque. J'espère qu'elle va marcher cette vidéo. Le changement pour vous. Un choix à faire. Où je dois aller. Est-ce que je me décide ou je me décide pas? Je dois avoir confiance en moi ou en lui. Le coup de foudre. Le couple femme, le couple homme, le couple, bon, ça c'est bisexuel, ah c'est bien, ça peut déterminer les doutes, les peurs, les échecs à surmonter certainement, l'élévation,
Donc ça veut dire que le couple grandit en sentiments. L'emprise et la manipulation. Elles sont larges, elles sont jolies ces cartes. L'enfant, l'épanouissement, l'équilibre, l'espoir. Il y a la lumière, tiens, ça aurait été l'espoir, regardez. L'espoir. Il y a la lumière dans ce carré. Un projet en commun, de se mettre en couple, former un duo. L'été, ça peut être la saison de l'été, comme l'automne, hein, ça. Les fêtes, les invitations, la fidélité, les flammes jumelles, la force certainement de se battre pour sauver ce couple, admettons. L'hiver, la jalousie, libérer. Alors là, je dirais que c'est la fin d'un amour, mais en fin de compte, vous êtes libéré parce que ça ne devait pas être un bel amour. La maison, les messages, la communication, la naissance. Un projet qui va naître. Le nom. Si on fait un tirage avec cette carte, si vous me demandez si monsieur est l'homme de votre vie, ben ça sera non. Ou si c'est la femme de votre vie, ça sera non. Et là, en l'occurrence, ça sera oui. C'est pas mal, tiens. La communication. Impatience, peut-être qu'il y a des blocages et des retards dans votre amour. Là, ça peut, le printemps, beautiful, la transformation, même, je pense vraiment avec cette carte. Je sais pas, je dirais le, parce que j'ai pas lu le PDF hein, encore, mais bon, le printemps fait penser à une transformation de couple là. Là, on vous dit qu'il faut être prudent, attention. La réconciliation, pardon, j'en bégaye et tout. La rencontre. C'est sympa, hein? Les rêves, les illusions. Le secret. La séparation. Sexualité. Ça, c'est le couple qui est basé sur la sexualité, la solitude, la tendresse, la tristesse, pardon. À l'envers, je n'arrive pas bien à dire. Surprise, cadeau. Cette carte. Tendresse. Ce n'est pas la tendresse, là. Non, c'est la tristesse. J'avais dit tristesse. Tension, dispute. Trahison. Ouais. Le cœur est brisé. Triangulaire. Union. C'est pour le mariage. Voyage, départ. Oser le premier pas. Entente parfaite, une belle harmonie, la jeunesse. Donc je pense que là, la jeunesse, ça pourrait être destiné à quelqu'un de plus jeune, à maturité plus vieux, voilà. Ou un vieux couple, on dira, ou un jeune couple. Hein. Détente, jeu amoureux. Est-ce qu'on pourrait faire des conseils? Guérison, tourner la page. Voilà. Là, je pense qu'il ne faut plus regarder le passé, il faut aller vers l'avenir. Et celle-ci, on fait un break, on fait une pause. Et dialogue rompu.
n'y a plus de conversation. C'est avec les trois. C'est sympa. Voilà pour l'oracle Belline Angel Love que j'utiliserai. Ben, d'abord, je vais le tester, bien sûr, avant de les utiliser comme ça. Voir un peu comment ça parle. C'est vrai que je trouve qui essayait. Enfin, je fasse pour moi déjà. Et je vous ferai un retour. Voilà la vidéo pour le dernier oracle que j'ai acquis, que j'attends depuis un bon mois. Donc, je vais remercier Angèle pour son petit cadeau et son petit mot. Belle petite attention. C'est sympa, ça fait plaisir. Tiens. Voilà. Et les petits mots. Oracle Bellino. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est l'invisible dans les yeux. Voilà. Et un petit cœur, ibis. Voilà. Belle soirée à tous. Portez-vous bien.